à tous et à toutes. Ce mois-ci, je ne voulais pas vous expliquer un tour de magie, mais plutôt vous faire un tour de magie. Alors, c'est parti pour le passage des âmes. Le passage des âmes. C'est un vieux jeu que m'a donné un monsieur plutôt âgé. Et en me donnant ce jeu, qui s'appelle le passage des âmes, il m'a également donné sa vieille carte dont il se servait pour parcourir l'Europe et sa baguette magique. Et il m'a dit, c'est très simple. Ce jeu s'appelle le passage des âmes parce que sur les faces, il y a des 6, représentant le 666 de l'enfer. Et sur le dos des cartes, il y a des anges, représentant le paradis. Et puisque le jeu s'appelle le passage des âmes, il est matérialisé par une carte blanche qui représente l'âme. Et il m'a dit, c'est très simple. C'est un jeu où il faut faire 2 lignes. Une ligne avec le 666 de l'enfer et une ligne avec le paradis. Une ligne avec le 666 de l'enfer et une ligne avec le paradis. Une ligne avec le 666 de l'enfer et une ligne avec le paradis. Pour jouer, il suffit de prendre l'âme et de mettre l'âme au milieu de l'enfer, pour que immédiatement l'âme, elle, disparaisse. Et elle disparaisse pour se retrouver où ? Pour se retrouver au paradis. Alors attention, pour ce jeu, il ne faut jamais, jamais, jamais jouer plus de 3 fois par soir, et jamais les soirs de pleine lune. Et pour s'en rappeler, on met une carte de côté. Et donc, on a le 666 de l'enfer, il suffit de prendre l'âme, de la mettre au milieu de l'enfer, pour que immédiatement l'âme, elle, disparaisse. Elle disparaisse pour se retrouver où ? Pour se retrouver au paradis. Et comme me l'a expliqué le monsieur âgé, on met une carte de côté pour bien se rappeler qu'on a déjà joué 2 fois. Pour continuer à jouer, il suffit de mettre l'âme au milieu de l'enfer pour que immédiatement l'âme disparaisse. Elle disparaisse pour se retrouver où ? Pour se retrouver au paradis. Et on fait bien attention de mettre une carte de côté pour bien s'apercevoir qu'on a déjà joué 3 fois. Mais le monsieur qui m'a laissé sa carte, sa baguette magique et ses cartes, a voulu être un petit peu plus malin que les autres. Et il a pris l'âme, et il a mis l'âme au milieu de l'enfer. Lorsque tout à coup, un picotement est apparu au niveau du cœur. Il ne se sentait vraiment pas bien. Et immédiatement, les cartes avaient disparu. Toutes les cartes étaient devenues blanches. Et il n'a plus jamais joué au passage des âmes.